Salut à tous, c'est Ninkos et bienvenue dans ce 17e épisode de Zelda Breath of the Wild. La dernière fois, eh bien, on avait fait beaucoup de secondaires, on avait fait encore quelques petites missions. Et du coup, maintenant, on va essayer de recouvrer notre mémoire en visitant quelques lieux et en, comment dire, en racontant ça à Impa parce que regardez. Alors, c'est pas ici. C'est ici. Votre album contient 12 photos qui ont été prises par la princesse Zelda. Si vous vous rendez aux endroits représentés sur les photos, vous retrouverez peut-être les souvenirs que vous avez partagés avec la princesse. Il vous en reste 12 à trouver. Mais dans le dernier épisode, Impa disait que juste un souvenir, ça lui suffisait. Donc, on va regarder notre album. Alors, c'est ici qu'on regarde. Et on va voir s'il y a des lieux qu'on peut reconnaître. Alors celui-là, c'est près du château, on va pas s'y aventurer. Alors celui-là. Eh, celui-là, regardez, là-bas. On aperçoit les monts Géminées. Donc que peut-être ici, là-bas, enfin, on pourrait y aller. Et d'ailleurs, avec le détecteur Shaika, on peut y faire quelque chose. Regardez, attendez, on va modifier la recherche. Alors attendez, est-ce qu'on pourrait pas? Ouais, bon, ça c'est le mouton des plateaux hein, qu'on avait pris. Armes, trésor. Ah ouais, on peut pas. Ah mince. En fait, il va falloir se débrouiller nous-mêmes. Bon, ici alors. Ah, j'arrive pas à reconnaître. Ici, ça doit être au plateau du prélude, mais ça m'étonnerait. Alors, ici. Ici. C'est pas la plage qu'on a visitée il y a quelques épisodes de cela. Là, je ne saurais pas dire. Là non plus. Oh, là. Ça me rappelle quelque chose aussi. Là, je ne sais pas. Là non plus, là non plus, là non plus. Là non plus. Eh, c'est difficile, hein. Là non plus. Et là, ouais, ok. Ok, bon. J'ai que celle-là qui me vient en tête. Donc on va aller à celle-là, mais on va faire encore un petit peu de secondaire. Parce qu'il y a beaucoup de secondaires, même énormément, hein, dans ce jeu. Je crois que vous êtes au courant. Alors du coup. On va se TP. Et j'ai bien envie de visiter un petit peu ces endroits-là aussi. Donc, hop, on va à la tour des limites. J'espère, comme d'habitude, que cet épisode vous plaira. Cet épisode, je le tourne le 12 mars. Donc, comme vous avez vu mon tweet longueur hein, dans l'épisode 10, si vous l'avez regardé. Sinon, je vous conseille de le voir. Il apparaît en début d'épisode du tweet longueur. Et bien maintenant, je prends énormément d'avance hein, dans les épisodes. Comme ça, d'une part, ça permet de profiter beaucoup du jeu. Et d'autre part. Waouh, il pleut beaucoup ici. D'autre part, eh bien, ça me permet de me faire moins spoil en fait. Alors. Ah, c'est le village là-bas, hein. Ok, bah écoutez. J'ai envie de dire, on va explorer un petit peu, hein. Allez, c'est parti, on est parti. Waouh! Oh mon Dieu, comme c'est beau! Waouh, c'est. À couper le souffle. À couper le souffle. Mais vraiment, quoi. Donc, on va un petit peu visiter, hein. On va un petit peu visiter tous ces endroits. Hop, on lâche un petit peu et on reprend. Et c'est quoi par exemple ici là? Moi je veux découvrir tout ça. Hein. Voilà, alors. On est où là? Ce genre c'est une grosse crevasse. Oh. Alors. On peut faire des petits trucs ici. Allez, hop, c'est parti, hein.
Wa! What the fuck? Ah ouais! Ah ouais, d'accord. Alors ça, je m'y attendais pas. Oh mais c'est parfait! Ah ouais! C'est pas n'importe quoi en plus. Allez! Eh ben écoutez, je crois qu'on fait bien de venir, hein. Oh là là, c'est énorme. Ah bah je regrette pas d'avoir d'être venu là. Allez, hop, on jette ça. Mon Dieu, regardez-moi tout ça quand même. Hop. On récupère tout ça, hein. Je vais regarder en dessous des pierres. Il doit y avoir des... Peut-être un Korogua avec un petit peu de chance. Oh, un rubis! MDR! Un autre rubis? Non? Il y a encore un truc à exploser là. On va l'exploser, hein. Ça vole, hein, en tout cas. Non, il n'y a rien. Et ici... Ok, bon. Ah bah écoutez, ça nous fera des minerais en plus, hein, et de l'argent, au pire. On peut en revendre, hein, tout ça. Et si on revend tout ça, ça va être bien. Hein. On va se faire plaisir. Bon, j'aimerais bien trouver des sanctuaires. N'empêche. Allez, hop, on monte. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a de beau? Moi, j'ai envie de découvrir, hein, tout ça. Franchement, j'ai envie, hein. Waouh. Ok. Tu te calmes, hein. Alors, 22 ambres brutes, hein, n'empêche. On pourrait en revendre, hein, des trucs. Là, on a les flèches. Eh ouais, en armes, on n'a plus rien, par contre. Oh! Ah ouais, non, mais on n'est plus... Putain, on n'a plus rien, quoi. C'est dingue. Vraiment dingue. Je me demande ce qu'il y a d'autre. Bon, ici, il n'y a rien de spécial, à mon avis. On peut aller par là, éventuellement. Ouais. Putain, par contre, il y a beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup d'ennemis. Vous me faites peur. Ok, on a récupéré une flèche. Ouais, là, on visite un petit peu, hein, écoutez. Ok, bon, on va par là un petit peu. On peut aller par là, hein. Le jour se lève. Faut qu'on visite, hein, faut qu'on visite. Genre par là, qu'est-ce qu'il y a? Eh, moi, j'ai envie de monter ça, moi, hein. Vous m'excuserez, mais voilà. C'est normal d'explorer, je pense. Putain, il n'y a rien ici, quoi. Ouais, bah, j'ai pas le choix. Je vais m'équiper de ça. Voilà. Allez, quelques griffes. Qu'est-ce qu'il y a? En hauteur, je crois pas qu'il y ait grand-chose d'intéressant. Hein. Ouais, bah écoutez. Hop. Putain, on a des oiseaux là. On a des blobs. Bon, écoutez. Franchement, tout ça... Enfin, ça paraît difficile hein, de faire tout ça, n'empêche. On ira en faire plus tard. Donc là, il y a un sanctuaire ici. Il y a un sanctuaire. Mais comment y aller? J'ai peut-être ma petite idée. Mais ça va être long alors. Ouais, ça va être long. On va passer par le sanctuaire ici, là. Ouais, on fait des choses à côté, hein, je vous dis, moi je prends mon temps. Je joue comme si je jouais.
Comme si j'étais pas en vidéo, hein. Donc voilà, j'espère que vous me comprenez. Ou sinon, ça va barder. Non, mais bon. Bon, allez, on est reparti. Alors, du coup, on va monter un petit peu dans les hauteurs. Parce qu'on avait exploré un petit peu les hauteurs, mais pas énormément. Donc j'ai envie de, enfin, d'y aller, d'escalader tout ça, moi, en fait. Jusqu'à aller arriver au mont Gémier. Donc ça va prendre un petit peu de temps, hein, tout ça. J'en suis conscient, mais on va essayer de faire au mieux. Donc déjà, on va aller là. Ça doit être largement possible. Ben oui, voilà. Alors, on est où sur la map? Ok. Donc, on est là. Hein. Et regardez, si on zoome là, on se dirige vers les hauteurs de Narisha, carrément, quoi. C'est quand même excellent, hein. On va aller par là. Et il faut faire surtout attention de ne pas tomber. Et dire qu'on est à toujours à Cocorico ici. C'est dingue, hein. La 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 la! Putain, c'est un petit air de ranch long. C'est incroyable. Bon, on a 5 cœurs, hein, toujours. C'est ça qui est bien en dormant dans un lit moelleux. Un lit moelleux, quoi. Ah là là. On va continuer à monter, hein, dans ces hauteurs. Enfin, sur ces hauteurs. On a des pommes. Ah ouais, et regardez, c'est là-bas que se trouve ce sanctuaire. On va essayer de l'atteindre. Par contre, en haut, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, qu'est-ce qu'il y a vers le haut? On va y aller. On va y aller, on va y aller. C'est pas le plus haut sommet, mais c'est peut-être le plus haut sommet de Cocorico, hein, là. Hein. En plus, enfin... Waouh. Comme c'est joli. On a encore plein de choses à faire, c'est incroyable. Pouah là 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 là. Attendez, j'ai même envie de voir s'il y a des sanctuaires ou pas. Genre lui, on l'a pas fait? D'accord. On n'a pas fait lui. Eh ben écoutez. Du coup, on va remplacer. Attendez. Ouais, c'est ici. Il y a un sanctuaire là-bas, quoi. Remplacer la balise par une étoile. Attendez, est-ce qu'on l'a vraiment bien indiqué? Bah, à mon avis, oui, hein. Ouais, je peux pas faire mieux, en fait. Bon, si, je peux faire mieux. Attention, hein, je peux faire mieux. Hop. Voilà, là c'est plus précis au moins. Allez, on regarde encore s'il n'y a pas d'autres sanctuaires. Ah, là-bas, si, regardez. Oh non, mais on découvre plein de trucs là, plein de sanctuaires à faire plus tard. Et du coup, bah hop. Ah ouais, mais c'est celui-là qu'on a balisé. Je suis bête, moi. Ah non! Ah mais si! Putain, mais je confonds en plus. Ah ouais, d'accord, il y en a plusieurs. Putain, mais c'est incroyable tout ce qu'il y a. Ok, est-ce qu'il y en a encore d'autres? Là-bas. Attendez, là-bas. C'est un sanctuaire là-bas, hein? Je rêve pas? Ah ouais? Voilà. Au moins, c'est fait. Du coup, il y a un sanctuaire ici, apparemment. Voilà. Bon, écoutez, là, je pense que ça suffit, hein. On va pouvoir aller à ce sanctuaire là-bas. Enfin, on va pouvoir... Attendez. C'est quoi ça? Ce sont des gardiens? Oula. Oh, j'ai l'impression que oui. Vite, Link, il va falloir te dépêcher.
Oh mon Dieu. Vite. Oh non. Oh. Il y a un gardien là-bas. Oh mon Dieu. Link, cache-toi. Putain. Mais c'est dangereux ici. Voilà, là, là, là. On va s'éloigner. Ça me fait flipper, hein. Oh! Vite. Link, me lâche pas. Surtout, je veux aller à ce sanctuaire. Ok, il y a un... Ah ouais, d'accord, il y a un camp beaucoup là ici. Putain, on est carrément lone. Oh, attendez, on peut faire des dégâts. Par contre, enfin, des dégâts vite fait, quoi. Parce que j'ai plus rien, en fait. Ah mince! Mais je peux continuer à aller plus haut. Bon, je vais faire en sorte qu'il me remarque pas. Hein. Putain, je vous jure, hein, on fait des quêtes secondaires. Oh là là. Mais c'est tellement passionnant. Voilà. Sanctuaire détecté. Wow! C'est quoi cet endroit là? Ah, fagot de bois! Facile à transporter, ce fagot fait un parfait feu de camp si vous avez de quoi l'allumer. Ah, bien! Herbe glagla. Les feuilles de cette plante médicinale des hauts reliefs de Gerudo et d'Ebra contiennent des agents rafraîchissants et une fois cuisinées, aident à supporter la chaleur. Oh, attendez, on va mettre une pomme ici. Hop! Par contre, ça, c'est pas bien. Alors, attendez, on va le tuer. Il est où? Il est où? Ok, il est là. On l'a vu. Voilà, chien, ça t'apprendre. Saleté. Tentacule octo, baudruche octo, bien. Alors du coup, on va mettre une pomme, deux pommes ici. Alors, hop. Et de une. Et de deux. Ah, parfait. Non, d'une feuille, tu m'as trouvé! Allez, une 14e noix Korogu. Et en tout, du coup, on en est à beaucoup. Attends, on a évité les gardiens, sinon. Hein. Waouh. Alors, par contre, là, c'est haut. C'est abusé. Allez, Link! Oh là là. Waouh. Attendez, mais on dirait qu'il fait froid en plus par là. Allez, on y est presque. Regardez le sanctuaire, il est là-bas. Escalade mon Link. Allez. Allez, on y est presque. Oh là là. Oh. Regardez-moi ces hauteurs. T'as le château de Ganon est juste là-bas, quoi. Il est pas loin, hein. Ah ouais, mais par contre, attendez. Ok. Il fait froid. Ah, ça faisait longtemps, ça. On va mettre notre doublé. Voilà, on se sent mieux, là. Ah ouais, mais pour aller de l'autre côté. Oh bon, au moins, on a un Korogu. Voilà, parfait. Ouais, mais du coup, on va te prendre en photo, toi. Ça, je pense que c'est une excellente idée, ce que je fais. Ah, on peut pas. Oh non, l'arnaque. Alors, par contre, pour y aller, comment je fais? Oh.
Bah, attendez, attendez, attendez. On va descendre, on va aller là. Est-ce qu'on peut pas genre se poser là? Si, apparemment si, mais ah, ça m'a l'air haut. Genre trop haut. Ah, on peut se poser. Énorme. Oh là là, c'est... Oh, c'est flippant, c'est... Faut pas avoir le vertige. Surtout pas. Allez, on va y arriver. Oh mon Dieu. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Ok, c'est bon. Oh la vache. Allez, on va y arriver, hein. Oh, on va y arriver. Oh mon Dieu! Waouh! On est au sommet. Et il y a le sanctuaire ici. On peut pas faire mieux là. Et enfin, si là-bas, c'est encore plus haut. Waouh! On a réussi à y aller, quoi. Alors ça. Allez, on va poser ça là. Non, 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 non. Allez, on va poser, j'ai dit. Mais, oh là là. Allez, là, c'est bon, cette fois-ci. Bah alors? Il veut pas, quoi. Allez, tu me poses ça, là. Eh ben, voilà. Allez, encore un Korogu en plus. Et voilà. Mais regarde, on peut voir partout. On peut voir partout. Il y a un sanctuaire là-bas. Non, c'est pas un. C'est quoi? C'est quoi ça? Ok. Bah écoutez, ça. J'ai envie de le baliser d'un autre truc. C'est une tour. Quoique non. Ah, je ne sais pas en fait. Waouh. Excellent. Du coup, on va se faire le sanctuaire de Shibe Nilo. Waouh. Allez, c'est parti. Putain, on a réussi. Allez, on va passer ça. Coup critique, si vous touchez un ennemi ou un animal sauvage à la tête. Ouais, on le sait, ça. Et du coup, voilà, on est à 18 graines Korogu. C'est pas mal, hein? Ah, oh, depuis le temps que je voulais faire ce sanctuaire. Vous devez être content pour moi, hein? Esprit jumelé. Waouh! Waouh! C'est immense. Enfin, c'est immense. Pour pouvoir le déplacer, un souvenir, il faut laisser l'orbe alors se reguider. D'ici, le souvenir du sanctuaire opposé, la clé du sanctuaire opposé, le souvenir d'ici est la clé. What? Qu'est-ce que c'est de ça? Oula! Alors, je ne comprends rien. Ouais. On va monter pour voir. Ça te débloque des choses ou bien comment ça se passe? Parce que là. Mais waouh quoi. Il est très particulier ce sanctuaire. J'ai déplacé un truc hein, comme ça. Mais ça fait peur. On peut pas monter plus haut. Et à quoi ça sert? Je ne sais pas.
Ouais, d'accord. Waouh, d'accord, ok. Alors, je ne sais pas. Attendez, on va relire. On va relire parce que j'ai... Pour pouvoir le déplacer, un souvenir, il faut laisser. L'orbe sera alors guidée. D'ici le souvenir du sanctuaire... Alors, d'ici le souvenir du sanctuaire opposé, la clé. Du sanctuaire opposé, le souvenir d'ici est la clé. Alors, dois m'expliquer, docteur. Ah, mais attendez, attendez. Je vais, attendez, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, j'ai envie d'essayer une chose. Si on fait ça comme ça. Si on fait ça comme ça. Je ne sais pas, je fais un truc bizarre. Hein. Ouais. Parce que genre, il faudrait les mettre à l'opposé. Mais bon, je comprends pas tout là. Je comprends même rien. Ouais, je mets ça là. Mais je sais pas, je sais absolument pas comment ça se passe. Ouais, d'accord, mais bon. Bah écoutez, je verrai ce sanctuaire un petit peu plus tard. Parce que là, c'est mystère et boule de gomme. Allez. Au moins, on aura débloqué ce sanctuaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, même si, bon, je tourne cet épisode très en avance. Hein. On est le 12 mars, bah, comme je l'ai dit, quoi. Ouais, cet épisode est tourné très, 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 très en avance. Ok, alors, waouh. Est-ce qu'on n'aurait pas d'autres sanctuaires? Genre là-bas. Non, ça c'est une tour là-bas. Hein. Enfin, ça a l'air d'être une tour. Après, je ne sais pas. Oh, le viaduc d'Ilia là-bas. Qu'on avait. Enfin, mis les pieds. Dans un épisode. Je ne sais plus lequel. C'était l'épisode 9, je crois. Lorsqu'on venait à peine de découvrir. Attendez, là-bas. J'ai pris en photo ce sanctuaire. Enfin, en repère. Ouais. Attendez, on peut quitter, effacer. Voilà. Allez, on va maintenant. On va aller se téléporter ici. Et c'est parti, on va continuer un peu la quête principale dans cette deuxième partie de l'épisode. Même si je ne sais pas combien de temps l'épisode va durer, hein, bien sûr. Allez, j'espère que ça vous plaît toujours autant, hein, cette aventure. Oh là 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 là. Enfin bref. Parce qu'il y a un souvenir de Zelda. Au moins, on aura débloqué ce sanctuaire. Hein. Ça, c'est bien. Il y a un souvenir de Zelda qui se trouve non loin d'ici. Alors, c'est peut-être pas ici, en fait. Mais ça, à voir. Je regarde s'il n'y a pas d'autres sanctuaires aux alentours, mais bon. Attendez, là, je suis où? Ok, je suis là. Alors, on va regarder. Parce que, genre, là. Ah ouais, ça se trouve loin quand même. Hein. J'ai presque envie, limite, de me téléporter, finalement, carrément à la tour du prélude. Eh ouais, on revient à nos racines. 17 épisodes après. Effet des remèdes et des préparations. Eh ouais, d'accord. Ah oui, ok. Faut pas utiliser un autre remède si on en consomme déjà. Hein. Je comprends.
Bah, c'est parfaitement logique en même temps, hein. Bon, on fait pas grand-chose pour l'instant. On a juste localisé un sanctuaire. Et puis c'est tout, presque. Mais bon. Oh, la tour du prélude. Alors maintenant. Putain, mais. Hop, on va y aller comme ça. Putain, maintenant cet endroit nous paraît. Comment dire? Petit. Oh là là, que de nostalgie cet endroit, hein? Me diriez-vous? Alors par contre. Par contre, alors est-ce que il faudrait pas aller par là? Ah là là, c'est difficile hein, à dire. C'est vraiment difficile à dire. Mais vraiment quoi? Oh là là. On va regarder à nouveau la photo. Ça paraît loin quand même. Oh, mais où c'est ça? Ok, on voit les monts Géminis à partir de comme ça. On les voit comme ça, les monts Géminis. On va y aller. Alors, lui, on va l'avoir à l'arc, hein, bien sûr. Ah ouais, mais on n'a plus que quelques flèches. Super. Alors, pour s'en sortir, comment on va faire? Oula, il nous a fait un peu mal. Hein. Mais ça va, maintenant on a plusieurs cœurs, je m'en fais moins. Ok, c'est bon. Bat Boko. Autant prendre. Hein. On va s'équiper de la Bat Boko. Qui est de 6. Hein. Ouais, mais par contre. Ah non, 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 pas ça. Alors attendez. On voit les monts comme ça. Parce que là, si je m'en vais par là, ça devient. Ça devient genre dangereux. On va les battre un petit peu. Hop, on récupère un petit peu les armes. Voilà. Mais par contre. Ouais, je sais pas vraiment dire. Oh là, et lui? Attends. Nous a fait mal. Oh, elle doit être pas mal, 16. Allez. Ok, c'est bon. Non, on l'a pas battu. Ok, alors, comment dire que. On va prendre à nouveau ça. Voilà, on l'a battu. Batte beaucoup. Batte mobile. Bien. Ouais. Alors, je suis à la recherche là. Attendez, attendez, attendez un petit peu. Putain, on a carrément un camp ici. Hein. Presque envie de me le faire. Par contre, il a genre une hache. Alors, attendez. Ok. Allez, on continue. Oula, et toi? Ça va pas? Oh, pas mal. Une petite louche, d'accord. Tiens, allez, prends-toi ça. Ok, bien. Non, tu m'auras pas. Une louche encore. Qu'est-ce qu'on a de nul? Ça et Pieboko, c'est nul. On a deux torches, c'est inutile. Ça. Hop. Voilà, comme ça, on est bien.
Ok. Ah bah c'est bon. Il n'y a plus d'autres... C'est bon, ils sont tous morts? Ou comment ça se passe? Apparemment, ils ont l'air plus là. Hallebarde rouillée. Ouais. J'ai récupéré quoi là? Ok. Corne, ok. Oh, c'est quoi ça? Waouh! C'est quoi ça? Mais vous avez vu ça? On est où là? Ça fait peur. Ok, on est à la ruine. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! On va prendre cette hallebarde. Alors, par contre. Et vous avez vu ce. Oh, les frissons que ça me fait, j'ai peur. Oh non! Ok, mais dégagez. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, attendez! Attendez un petit peu. Attendez. C'est pas là qu'il faut aller? Attendez, c'est pas ce truc-là là-bas? Oh! J'ai bien envie j'ai bien envie d'en avoir le cœur net. Oh là là, attendez, parce que là. Attendez, c'est quoi cet endroit là-bas? Et c'est quoi cette espèce de dragon? On n'a plus d'armes par contre. Bon, on va s'équiper de ça. Eh, revenez là, vous. Waouh. Attendez, mais il est où? Putain, mais. Ils vont se calmer. Eh, j'ai des frissons. J'ai des frissons en jouant à ce jeu, quoi. Alors, attendez. Ok. Plein d'ailes griffues là. Ah mais c'est genre un peu plus loin, hein. C'est pas possible. Oh un renard. Et non un écureuil. Merci Ijway de me l'avoir rappelé dans l'épisode 9. Ah là 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 là. Si tu regardes encore la série, ce qui m'étonnerait fort. Bon bah je ne sais pas où c'est. Hein. Au pire, je vais vous faire une ellipse. Oh, attendez. Je crois avoir trouvé, mais je suis pas du tout sûr. Regardez où je suis sur la map. Je me suis très éloigné et je suis là en fait. Et regardez-là, ça commence à ressembler beaucoup. Vraiment beaucoup. Oh là là, je. Oh, c'est là. On y est. Oh là là. Attendez. Donc. Oh, c'est ici. On y est. C'est là, hein? Ouais, on y est. Et du coup. Oh mon Dieu! Alors du coup, votre album contient 12 photos qui ont été prises. Si vous vous rendez aux endroits représentés sur les photos, vous trouverez peut-être les souvenirs que vous avez partagés avec la princesse. Mais j'y suis là! C'est maintenant ou jamais!
Ah oui! Oh les amis. Nous devons rejoindre le village Goron. Il sera plus facile pour Daruk de piloter sa créature divine si j'y apporte quelques modifications. Il l'a déjà déplacée plusieurs fois, mais on dirait qu'il ne l'a pas encore parfaitement en main. Quand je pense que ces créatures sont de conception humaine, c'est une chance. Cela veut dire que nous sommes capables de comprendre leur fonctionnement. Je percerai leurs secrets. C'est notre seule chance de sortir victorieux du combat contre Ganon. J'y arriverai, il le faut. Et toi? Cette épée que tu portes, parviens-tu à la manier convenablement? Et cette voix qui est censée résonner dans sa lame, est-ce que tu l'as déjà entendue? Oh les amis! Oh mon Dieu! Oh la cinématique, on a vu Zelda. Oh putain. Oh là 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 là, c'était énorme. Ça y est, ça c'est bon. Étang de Komoto. Oh là 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 là. Attendez, la tour de la zone ici, elle est où? Parce que, à mon avis, ça me paraît dangereux. Putain, on a réussi. Bon, bonne nouvelle, très très bonne nouvelle, hein. Franchement. On va aller ici. Et après, on ira retourner voir Impa. Oh mon Dieu. Je m'attendais pas à ça. Vraiment, hein. Oh, les souvenirs, oh là là. Du coup, il y avait une voix qui résonnait dans une épée. Alors là. Et ça, c'était il y a 100 ans alors. Oh mon Dieu. Et oh, qu'est-ce qu'ils étaient classe à deux. Qu'est-ce qu'ils étaient classe. Oh la classe absolue quoi. Alors, ce que je vous propose, c'est d'explorer un petit peu ce coin-là. Ce coin-là. Donc on va le faire, bien sûr. Pont de Prokis, ok. Mais on va explorer un petit peu tous ces coins là, par là. Donc, oh, un javelot. Ok, on va s'en équiper. C'est un petit peu dangereux dans le coin, hein. Ok, on va manger une petite, genre une pomme. On en a des pommes. On en a quatre. Non, tu m'auras pas. Ah, t'as un bouclier pour te protéger, saleté. Waouh. Ok, lui, il est... Ah, il est pas mort. Ok, on a des arcs, mais... Mais bon. On a cette hallebarde. Voilà, épée du soldat. Allez, hop. 14 de dégâts. Voilà, on one shot comme ça. Ouais, ok. Bat Boko, ouais, c'est pas non plus énorme. Eh. Ça y est, ils sont tous morts. Bon, on n'a pas de trésor, hein, malheureusement. Bon, c'est pas grave. On va dire que c'est pas si grave que ça. Par contre, moi, je vais me rendre par là-bas, tiens. Après tout. Après tout, après tout.
Bon, par contre, ne pas... Oula, alors attendez. On va... Il y a les deux là. Ça, ça me paraît profond d'empêche, hein. Il y a un courant. Il va pas se réveiller quand même. Ça me fait peur. S'il se réveille, on se téléporte ou un truc comme ça, hein, parce que... Mais c'est bon. Ok, rouage antique. Parfait, parfait. Allez, on va aller un petit peu par là. Et pour Impa, on fera ça la prochaine fois, pour histoire de vous laisser le suspense, en fait. Bon, après, par là, ça a l'air d'être assez dangereux, n'empêche. Mais il y aurait un sanctuaire que j'ai envie de faire. Enfin, il y a plein de sanctuaires, en fait. Ok, il y a un champignon là-bas. On va le prendre. Hein. Ah non! Oh, c'était quoi cette bête? Putain, j'ai plus d'arc, c'est bête ça. Oula! Eh, doucement. Ok, là on est en plein. Ouais. Ok, il y a un lac là, d'accord. Bon, c'est sympa hein, de cette forêt. Mais il n'y a pas non plus énormément de choses. Au moins, on récupère des petits trucs. Putain, mais c'est... What? Putain, c'est trop bizarre, ces bêtes-là. Hein. Ok, champi-armo. On est où dans la forêt? Là, on va sortir de la forêt. On a des sanctuaires, là, hein, mais bon. Je crois pas qu'on les fera. On va bientôt s'arrêter de toute façon. Parce que cet épisode a assez duré. Avec toutes les ellipses, je vais pas m'en sortir en plus. C'est incroyable. Waouh. Ah ouais, là. Oh! Il y a un sanctuaire là-bas. Il est sur notre carte en plus. Attendez. Je rêve pas, hein. Eh ouais. À limite on pourrait y aller. Limite on pourrait y aller hein. Putain, on a quand même découvert pas mal de sanctuaires. Hein. Ça fait vraiment zizir. Waouh, ça fait peur tout ça. Waouh. C'est impressionnant n'empêche. Et ok là c'est la route. Ouais ben j'ai détecté, c'est bon, merci. J'ai bien envie de faire un tour, mais ça sera, je pense, pour le prochain épisode. On va voir si on peut y aller. Ah ouais, mais on fait plein de trucs en même temps, je suis désolé. Alors du coup, on va pouvoir y aller, hein. Eh ouais. Regardez-moi ça, là. Waouh, oh ce pont. Écoutez, on va y aller. Ça fait un petit peu peur, hein, j'avoue. Allez. Allez. Oui, on y est. Par contre, pour revenir... Bon, on pourra se téléporter au cas où. Banc fleuri. Oh, dis donc, qu'est-ce que tu fais là? N'abîme pas mes fleurs. Non mais... Non mais genre... J'ai planté des fleurs tout autour du sanctuaire. Fais attention à ne pas les piétiner. Pas sur les fleurs. Ah d'accord. Ah c'est un labyrinthe de fleurs. Excellent. Non mais n'importe quoi. Alors, on va aller par là. Voilà. Oh là, et j'ai envie de le prendre ça, moi. Ok. Allez. Voilà. Et de deux.
Allez, on y est presque au sanctuaire. Regardez. On y est. Sanctuaire de Iloïla. Ok. Eh bien, écoutez, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode 17, il me semble. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à l'aimer. J'ai pris vraiment du plaisir avec ce souvenir de Zelda, là, et Link. Oh là là, ça m'a un petit peu fait frissonner. J'espère que vous aussi. Et j'espère que cet épisode vous aura plu, les amis. On se retrouvera pour le prochain épisode. Et on fera ce sanctuaire. Et on ira voir Impa. Allez, bye tout le monde! Open your eyes.